Bonjour, chère apprenante, cher apprenant. Ravi de vous rencontrer dans cette séance de soutien et d'évaluation concernant les réponses immunitaires. Voilà les trois activités. L'activité 1 concerne, on va faire une petite révision concernant les réponses immunitaires. Puis, deuxième activité, c'est pour les exercices de restitution de connaissances. Et la troisième, on va terminer par la troisième activité concernant un exemple d'exercice de raisonnement scientifique. Donc, la question qu'on posera, de quoi est constitué le système immunitaire? Comme vous le savez, le système immunitaire est constitué des organes immunitaires et les cellules immunitaires. Donc, les organes immunitaires, ce sont deux types. On a les organes lymphoïdes centraux, exemple le thymus, et moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge assure la production des lymphocytes T et B et la maturation des lymphocytes B, alors que le thymus assure la maturation des lymphocytes T. Pour les organes lymphoïdes périphériques, on a la rate, ganglion lymphatique, les amygdales, plaques de Peyer. Les organes lymphoïdes périphériques sont le lieu d'accumulation et de rencontre des cellules immunitaires avec les agents pathogènes. Deuxième type, les cellules immunitaires. Pour les cellules immunitaires, on a les granulocytes, c'est-à-dire les polynucléaires, puis les monocytes et les macrophages, et les lymphocytes. On a les lymphocytes, on a trois types. On a lymphocytes T4 et B et T. Maintenant, on passera à les réponses immunitaires. Donc, les réponses immunitaires, on a les réponses, la réponse immunitaire naturelle non spécifique, donc non spécifique, c'est-à-dire naturelle, ce qu'on appelle la réponse inflammatoire, les phagocytoses. Pour la réponse immunitaire acquise, on a deux voies, la voie humorale et la voie cellulaire. Donc, avant d'avoir ces réponses élémentaires, on va voir ce qu'on appelle les barrières de corps humain. Donc, on commencera par les barrières de corps naturelles. Elles se divisent en deux types. Barrières physiques ou mécaniques, elles sont formées par la peau, les muqueuses, les cils et les poils. Deuxième, barrières chimiques. Elles sont formées par des liquides visqueux, sécrétés par les muqueuses, les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l'estomac, les sécrétions enzymatiques digestives, les sécrétions de la voie génitale. Donc, les barrières chimiques agissent par l'acidité du milieu ou par les enzymes qu'elles contiennent pour empêcher la prolifération, c'est-à-dire la multiplication des bactéries, susceptibles de s'introduire dans l'organisme ou les détruire. Donc, au niveau d'une plaie ou d'une piqûre, il s'installe un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à réparer les lésions sur la réaction inflammatoire. Donc, elle se caractérise par les quatre symptômes suivants. La rougeur, due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie, ce qu'on appelle l'afflux de sang. Et la chaleur, liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. Et le gonflement, ce qu'on appelle l'œdème, dû au passage de plasma et de leucocytes dans le tissu lésé. La douleur due à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. Voilà le schéma bilan des réponses immunitaires. Donc les réponses immunitaires naturelles non spécifiques et réponses immunitaires acquises spécifiques. Donc quand un antigène pénétra dans l'organisme, les lymphocytes T4 auxiliaires sont activés et sont sensibilisés par les phagocytes. Il y a deux possibilités selon la nature de l'antigène. Soit que des phagocytes comme les polynucléaires interviennent directement pour éliminer l'antigène, si la réponse immunitaire non spécifique, c'est-à-dire naturelle, soit que les lymphocytes B sont activés et reconnaissent l'antigène, puis produisent des anticorps, si la réponse immunitaire à voie humorale. Soit que les lymphocytes T8 sont activés et deviennent des lymphocytes T8 ou TC tueurs qui détruisent directement les cellules cibles infectées, si la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire. Pour l'immunité à voie cellulaire, après différenciation, les lymphocytes T cytotoxiques, TC ou T8, détruisent les cellules cibles infectées de deux manières. La première manière, par cytolyse, c'est-à-dire libération des protéines perforées, capables de créer des pores au niveau de la membrane de la cellule cible et l'entrée d'eau est mort de la cellule. Deuxième manière, par apoptose, c'est-à-dire libération des produits chimiques qui se fixent sur la membrane de la cellule cible et induisent
sa mort, ce qu'on appelle suicide cellulaire. On passera aux exercices de la restitution de connaissances. Je vous propose un exercice, exercice 1. Les événements suivants représentent les étapes de la phagocytose. Je répète, les étapes de la phagocytose d'une bactérie. Ces étapes sont non classées. Classez ces étapes selon l'ordre chronologique. Donc le verbe d'action, c'est classer. On va classer quoi? Ces étapes selon l'ordre chronologique. Titre 1, ingestion de la bactérie par la formation de pseudopodes. B, la digestion de la bactérie par des enzymes. Soit C, les déchets de la bactérie digérés sont rejetés à l'extérieur de la phagocytose. Et D, l'adhésion de la membrane cellulaire de phagocytose contre la bactérie. D'après le cours, vous avez vu, la phagocytose passe par quatre étapes. La première étape, c'est quoi? C'est D, l'adhésion de la membrane cellulaire de phagocytose contre la bactérie. La deuxième, c'est A, c'est-à-dire ingestion de la bactérie par la formation des pseudopodes. Et 3, la digestion de la bactérie par des enzymes. Donc à l'intérieur, la cellule sécrète des enzymes qui va dégrader l'antigène. Et dernièrement, il y a le rejet, c'est-à-dire les déchets de la bactérie digérée sont rejetés à l'extérieur de la phagocytose. Observez bien le schéma à droite. Donc, la phagocytose passe par quatre étapes. Il y a l'adhésion, l'ingestion et la digestion et le rejet des déchets, ce qu'on appelle la phagocytose. Exercice 2. Mettre une croix devant la bonne proposition. Cellules qui participent à la défense non spécifique. La défense non spécifique, on a quatre propositions. A, les polynucléaires. B, les anticorps. C, les lymphocytes T. Et B, les lymphocytes B. Comme vous l'avez vu dans le cours, donc les lymphocytes T et les lymphocytes B interviennent dans la réponse immunitaire spécifique. Par contre, les polynucléaires, c'est les cellules qui interviennent dans la réponse non spécifique. Donc, la bonne réponse, ce sera A, c'est les polynucléaires. Exercice 3. Répondre par juste au fond devant les propositions suivantes. A, les anticorps éliminent l'antigène, quelle que soit la nature de cet antigène. B, la réponse immunitaire naturelle, c'est-à-dire phagocytose, est spécifique. Ou bien D, les lymphocytes sont des cellules phagocytaires. Donc, on commencera par A. Les anticorps éliminent l'antigène, quelle que soit la nature de cet antigène. Donc, la proposition est fausse. Pourquoi? Parce que les anticorps éliminent certains antigènes. On a vu que les anticorps sont spécifiques. Donc, pour A, c'est faux. B, la réponse immunitaire naturelle phagocytose est spécifique. On a déjà vu que les phagocytoses, ce sont des réponses immunitaires naturel, ce n'est pas spécifique. Donc, la proposition est fausse. Si l'antigène en soi déclenche une réaction immunitaire, qu'est-ce que ça veut dire un antigène? Antigène est toute molécule susceptible d'être reconnue comme étrangère à l'organisme non soi et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle. Donc, l'antigène, donc la proposition C est juste, c'est vrai. D. Les lymphocytes sont des cellules phagocytaires. Mais non, on a vu que les cellules phagocytaires, ce sont les polynucléaires. Donc, les lymphocytes interviennent dans la réponse immunitaire spécifique. Donc, D, c'est faux. Donc, on a une seule proposition, c'est C. On passera à la deuxième partie des exercices, exercice de raisonnement scientifique. Je vous propose un exemple d'exercice. Pour déterminer la nature et les propriétés de la réponse immunitaire contre certains antigènes, on vous propose les données suivantes. Le document 1 présente deux expériences réalisées sur deux souris saines A et B. Observez bien le document. Pardon. Donc voilà les expériences dans le document 1. Expérience 1, on a injecté la natoxine diphtérique. Après 15 jours, on l'a injecté par la toxine diphtérique. Résultat, survie de la souris A. Dans l'expérience 2, on a injecté la natoxine diphtérique à la souris B. Après 15 jours, on l'a injecté par la toxine titanique. Résultat, mort de la souris B. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire la toxine? La toxine, une substance toxique sécrétée par certaines bactéries aux champignons. Et qu'est-ce que ça veut dire anatoxine? Anatoxine, une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène. La première question, déterminer l'antigène utilisé dans chacune des expériences. Comme vous le voyez dans le document, l'expérience 1, donc les antigènes, on a l'anatoxine diphtérique, puis la toxine diphtérique. Pour l'expérience 2, l'anatoxine diphtérique, puis la toxine tétanique. Question numéro 2, décrire les conditions expérimentales et les résultats des expériences. Réponse. Description des conditions expérimentales pour l'expérience 1. On a réalisé une injection de l'anatoxine diphtérique et après 15 jours, on a réalisé une injection de la toxine diphtérique. Les résultats obtenus? La survie de la souris A montre que le système immunitaire de la souris peut combattre l'antigène, c'est-à-dire la toxine tétanique. Donc on peut conclure que la souris A est immunisée contre les tétanos. Pour l'expérience 2, on a réalisé une injection de l'anatoxine diphtérique et après 15 jours, on a réalisé une injection de la toxine tétanique. Résultat obtenu, la mort de la souris B montre qu'il n'est pas immunisé contre la toxine tétanique. Pour comprendre les résultats des expériences, on a isolé le sérum de sang de la souris A qui est resté en vie. Puis on a déposé ce sérum dans deux tubes AIC, le tube L et le tube M. On a ajouté dans le tube L la toxine diphtérique et dans le tube M la toxine tétanique. Le document 2 représente les conditions expérimentales et les résultats obtenus. Le document 2 résume les expériences 3 et 4 avec les résultats obtenus dans chaque expérience. À noter, le sérum est un liquide issu de la filtration de sang coagulé. Elle est dépourvue de cellules sanguines et contient des anticorps spécifiques. Question 3. Comparer les résultats de l'observation microscopique de contenu des deux tubes L et M présentés dans le document 2. Comme réponse, dans le tube L, il y a formation de complexes immunitaires. Par contre, dans le tube M, il n'y a pas de complexes, ou bien il n'y a pas de formation de complexes immunitaires. Question numéro 4. En exploitant les données du document 2, expliquez les résultats des deux expériences 1 et 2 du document 1. Comme réponse, l'injection de l'anatoxine diphtérique pour les deux souris A et B déclenche une réaction immunitaire qui se traduit par la production des anticorps spécifiques contre la toxine diphtérique. Ainsi, la souris est immunisée contre la diphtérie. Après 15 jours, pour la souris A, on a injecté la toxine diphtérique. Or, la souris A est immunisée contre la diphtérie, c'est-à-dire possède des anticorps contre l'antigène toxine diphtérique. Donc, il y a formation de complexes immunitaires qui neutralisent l'antigène. Mais pour la souris B, elle était immunisée contre la diphtérie et non pas contre le tétanos. Les anticorps qu'elle possède sont spécifiques contre la toxine diphtérique et non pas contre la toxine tétanique. En conséquence, le complexe immunitaire ne se forme pas. Question numéro 5. Déduire la voie et la propriété de la réponse immunitaire qui ont été mises en évidence par les expériences précédentes. Mais faites attention, il y a le verbe d'action « déduire » et deux choses à déduire. C'est la voie et la propriété. Comme réponse, pour la voie de la réponse immunitaire dans ce cas est dite voie humorale.
car il fait intervenir les lymphocytes B, c'est-à-dire les plasmocytes, qui produisent les anticorps spécifiques. Pour la propriété de la réponse immunitaire qui a été mise en évidence, elle est spécifique, c'est-à-dire contre l'antigène qui a déclenché cette réponse immunitaire. Ainsi prend fin cette séquence de soutien et d'évaluation. Cher apprenant, bon courage et à bientôt.